Salut à tous, on se retrouve sur The History of the Magician 2. Donc, voilà, ma femme, elle l'a pas construit réellement, elle m'a dit quel bloc choisir. Mais voilà, donc, je vais vous montrer la petite maison. Ta-da-da. Donc, là, je me suis un peu servi en créatif, hein, histoire de... pas trop galéré, on va dire. Donc, à part tout ce qui est bois, j'avais les vitres en créatif et le toit pareil en créatif, hein, vu que c'est de la brique large. Les portes, c'est des Carpenter Garage Door, donc en créatif aussi, hein, bien sûr. Les pressure plates en créatif, tout ce qui est en fait Carpenter. Carpenter Block, c'est du clair. Donc voilà, on va faire le petit tour et on va rentrer à l'intérieur. Donc un petit tour vite fait. Donc là, on a une télé de MR Craftfish Furniture Mode. Donc tout ce qui est ça aussi, c'est du créatif. Et Bibliocraft, les lumières aussi. Donc bien sûr, je me servirai pas si je détruis. Je m'en servirai pas. Donc le petit canapé tranquille. Hop. Ce qui est cool, c'est que la télé, elle marche. Le petit bar, histoire de dire. Hop. Pendant qu'on a des invités. Le bar en même temps qu'on cuisine. Hein, un frigo. On a des étagères. Donc on a 5 étagères. Un frigo. Un freezer. Un petit lavabo, je sais pas si on peut l'activer, non pas du tout. Une table, voilà ma cuisine, donc le four et tout ça je les ai pas mis. Des fence lamps pour éclairer partout. Ici on a la salle de bain, donc un petit lavabo, des stores qu'on peut fermer quand on est sous la douche. Par contre ça fait du bruit. Donc les stores, ça, j'ai trouvé ça classe, les stores qu'on pouvait fermer en fait comme ça. Donc les toilettes, on peut s'asseoir dessus, hein, bien évidemment. Un petit sèche-serviette, donc sympathique quand tu vas prendre ta douche et que tu ressors avec une serviette chaude. Ici, on n'a rien pour l'instant, c'est logique. Ici, une petite buanderie, un petit range... Range course, range ce qu'on veut, hein, n'importe quoi, on verra. Ici, bah, les murs, ils sont un peu en travers, on peut voir que ça fait des pics. Et à l'étage, la chambre et le bureau. Donc le bureau, voilà, on peut acheter des choses. C'est quoi ça? C'est le touch, ouais. Receipt book. Bon, voilà. La petite imprimante, la petite lampe. Le petit tabouret et le plumard. Je ne savais pas qu'on pouvait dormir dedans, mais c'est cool. Et ici, il n'y a pas les habits, hein. On peut pas mettre les habits, mais c'était des étagères, mais bon, un peu système échelle, histoire de faire un peu de déco. Donc on a du verre là-haut. Et voilà. Donc, je sais pas si ça vous plaît. Si ça vous plaît, tant mieux. Donc là, il y a des lumières. En fait, il reste tout allumé vu que... voilà, en vrai, j'ai pas besoin de lumière, là. Je crois que c'est là. Non. Ouais. Bah, ça faisait... du spawnage, ici. Donc voilà un peu la petite maison et le petit jardin qui est ici. Donc on a les cides là. On a toutes les plantes différentes que j'avais, bien évidemment que j'avais, puisque j'en ai parfait des croisements. Ici, les fleurs de Botania. Et voilà un peu le système de la maison. Et pour continuer dans les petites surprises, alors, il me faudrait... Underio qui s'appelle
qui s'appelle. Je ne sais plus le nom. Treventure, je crois. Ouais. Treventure. Donc ça, il me faut un arc furnace ou un alloy smelter. Ok. Du conduit. C'est du gravier, du sel, de la clé. C'est simple. Ça, c'est simple, j'avais vu. Et de l'iron. Donc, on va devoir faire le Stirling Generator. Oh, du plomb magique. Non. Oh, bah en fait, je ne peux point. À part si je fais ça, mais il me faudrait de l'énergie quand même. Maintenant, il me faut ça. Ah si, Arc Furnace ou Alloy Smelter. Ah, le Stirling Generator, je ne peux pas. Oh, il me faut ça de Railcraft. Metal Press. Oh là là. Ah, j'avais pas pensé du tout à ça. Parce que si je fais un combustion générateur, il me faut forcément de l'électrique. Des. Ouais, il faut forcément un truc électrique. Ah ah ah, RF. D'accord, je dois avoir un petit truc qui peut me gêner. Ok, alors. Qu'est-ce qui pourrait avoir du courant? Qui crée du courant? Générateur. Le survival. Qu'est-ce que ça génère? Parce que le survival, je pense que. Ouais, c'est largement jouable. Furnace générateur. Lava générateur. Après, plus haut, c'est pas la peine. Ouais. Ouais. Ouais, mais comment je fais pour transférer le courant après? Non, ça c'est pas une bonne idée, ça. C'est nul. C'est nul à chier. Ah. Bah, je pense qu'on n'aura pas le choix, on va devoir. Est-ce qu'il me faut ça? Il me faut ça. Ok, bon, on va continuer au pire Blood Magic. Et bah au pire je peux vous montrer en fait. Vraiment vite. Une forêt de la cobble. De la cobble. Et c'est tout. Puisque. Ouais, on va pas faire ça. Donc. On va se mettre, je sais pas. Ou, je sais pas, on va dire. Je sais pas, il fait combien? 2, 4, 5 sur 6. On va se mettre ici, hein, au pire. Regardez. Tada! Donc, on a une zone en dessous, en fait. J'ai fait une base. Bon, je pense qu'elle est un peu trop grande, mais on verra bien. Pour stocker tout ce qui sera énergie et machine en fait, au lieu que ce soit en haut, que je veux vraiment que ça reste jardin et que tout ce qui est en dessous c'est machine. Donc voilà. Donc si on peut voir sur la mini-carte, donc ici on voit ces cercles hein, qui se propagent à la suite. Donc là, quand ça arrive contre le mur, en fait ça montre ça. Là, on peut voir que le cercle. Il fait ça, il monte comme si que ce mur-là était à plat et que ça continuait le cercle. Donc pareil pour là. Je pensais que ça faisait une bonne petite déco sympathique.
Donc je trouve que oui, moi personnellement je trouve que oui. Par contre, si je me mettais au milieu. Où que je tomberais en fait, c'est ça le problème. Ok, je tomberais pas dans un endroit. Je tomberais ici. Bah ouais, en fait, pourquoi? Ouais, on va pas le mettre là en fait, on va le mettre ici. Voilà. En fait, on le mettra ici, hein. Ouais, j'ai faim. Ok. Le bloc là, en fait, je vais le carter, hein, évidemment. Parce que je vais devoir reboucher après. Donc voilà, en fait, la petite zone. Et il me faut forcément les... Il me faut forcément les Traveling Chars, en fait, pour me téléporter d'en haut et d'en bas, en fait. Donc... Pour ça, il me faudra Asterling, il me faut Unblown Crystal, et du steel, se fait dans la Blaze Furnace. Blaze Furnace. Ou dans un Arc Furnace. Ou dans ça. Mais j'ai rien en steel, en fait, ça le délire. Est-ce qu'il me faut forcément des trucs en style pour récupérer du style? D'accord. Alors, c'est pas grave, hein. Moi, on va continuer. Blood Sacrifice, je peux toujours pas, je ne pense pas. Non, parce qu'il me faut de la witchery. Il faut du witchery. Demon Herd. Le cœur de démon, je ne sais pas comment on peut l'avoir. Ça non plus. Mais c'est pas grave. Et ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment commencer Witchery. Si on peut, bien évidemment. Donc le chaudron. Tout était bête en fait. Puisque. Si j'avais fait gaffe. Bon, j'ai mis le temps. Si j'avais fait gaffe, en fait. Il y a un bouquin. Le bleu qui s'appelle Witchery Break Cooldown et Potion Breaking. Donc on va prendre ça. Donc, instruction. En fait, en craftant une Belladonna, une Mandrake, une Snowbell et une Water Artichoke, on aurait pu avoir ça. Et ça, en fait, en faisant un clic droit sur le chaudron, je crois quand il doit être rempli. Ça le met actif, donc bah, voilà, j'ai ça et on va le tester. Botania ou pire? Botania, je mettrai par là. Couture, on va le mettre ici. On va chercher de l'eau. Ah oui, c'est vrai, j'ai faim. Alors, non, 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 j'ai rien à part ça. Carotte. Des carottes. Ça, je ne sais pas combien ça régène, mais c'est pas grave. Ok, on va déjà manger un steak, là, du melon. Voilà, et des carottes. Histoire de changer un peu la nourriture. Ok. Donc là, je pense que ni ça, mais le pain, c'est régénérant. À mort. Ok. Donc il me faut de l'eau. On va le remplir. Un seul seau, je crois, c'est ça, non? Cela est une mystère. C'est un mystère. Ouais, un seul seau. Et voilà. Donc un clic droit dessus et ça le fait le chaudron. Et je crois qu'il faut l'alimenter en. Qu'il faut l'alimenter en lave, donc on va aller chercher de la lave. Donc là c'est vraiment le petit épisode tranquille, hein, franchement on va y aller encore tranquille là pour les derniers petits moments avant de commencer
les choses. Ok, je crois que c'est 3 sauts. Perdu, merci. Encore un? Non, c'est bon. Alors. Heureusement que le chaudron est au-dessus. Oh, Manuel détecte. Faut que je le casse. Ok. Ok, il me faut de la mute en 10. C'est quoi? On va faire une source de là, de une source d'eau ici. Hein. Vu qu'il m'en faudra. J'ai un petit truc bizarre. Hop. C'est bon. Ok. Alors. Codon explose contenant, machin. Ok. Breaking. Qu'est-ce qu'il y a? Crafting. Mutant 10. Il me faut une mandrake rot, une X All of the Omni. Comment on fait ça? Bret. Non. C'est les potions qui m'intéressent. Ouais, ça donc. Ok. On va regarder. Ok, tout est là. Comment on peut faire les potions de Witchery, les potions. Je crois que c'était celle-là. D'accord, une witch oven. Witcher oven. Où tu trouves? Là. Donc du fer et des barreaux, ok. On va y arriver, on va y arriver. J'ai un peu regardé Witchery, mais vraiment un petit peu, donc j'ai pas tout en tête non plus, donc alors, ok, ça, ok. Les fumées, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais c'est pas grave. Donc ça, on va l'installer à côté. Et ici, non, posé par terre. Ok, donc là, il me faut des jarres, des pousses. Donc des jarres, comment on les fait les jarres? Jarre clé. De la clé, ok. Et on fait cuire, tout bêtement, ok. De la clé, de la clé, de la clé, de la clé. Là. Hop, la petite pelle qui va aller vite. Ok, c'est cool. Ça va être suffisant, même de trop du charbon. Allez, cuis-moi tout ça. Et il me faut quoi d'autre? Je l'ai vu là. Des oak sapling. Je vous avouerai que je suis un peu perdu dans les coffres. Donc, on va en faire.
20, ouais. Donc là, j'en ai plus assez. Ok. De la glace, en fait, c'était pour. Hop, ici. Ça. 100 de glace pour avoir un Overwrought Seed. Donc j'en ai fait, je sais plus combien, j'en ai. Je sais plus. 30. Donc vous voyez le nombre de. Je crois qu'il me faut du combustible aussi. Le nombre de. Je vais y arriver. D'herbes que j'ai coupées. Non, c'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Avec ça et ça. Donc normalement ça en fait. Hein. Et donc si je regarde mutant 10, si je le trouve avant, qu'est-ce que ça fasse? N'importe quoi. Ok, c'est des exam. Yes! Yes, c'est ça. Angry, j'ai encore faim. Oh. J'ai toujours faim, mon perso. Mon perso a toujours faim. Pas le temps, Maurice. Ouais, je l'appelle Maurice, mon perso. On va éviter d'en faire de trop. Alors. Est-ce que tu peux. Non. Est-ce que tu peux. Non plus. Ah, ça, je peux manger. Des patates aussi. Ok, ça, c'est cool. L'effet de. Qu'il faut changer d'aliment tout le temps, c'est chiant. Je vous avouerai. J'ai pas trouvé comment l'enlever, donc. Donc ça, on va le garder pour des grosses fins. Ok. Hop. Allez, encore une jarre. Après, je te laisse tranquille, merci. Donc j'en ai 11, j'en ai 3. J'ai de là. Je ne sais pas quoi. On va voir ce que ça peut faire. De la bonne mille. Ok, j'en ai 3. Donc, il faut une mandra hot et une un œuf. Par contre, les œufs, je ne suis pas sûr que je les ai. Je vous dis non, mais oui, je les ai. Non, c'est pas une pelote de naze. C'est une fleur comme ça qui m'intéresse. Sur n'importe quoi, je peux la planter? Ouais. Ouais. Là, ça me plaît, là. Quand je peux planter où que je peux. Bah, où je. Ah, je les ai mal placés, ceux-là. Ah, mince. Qu'est-ce que je peux piquer? J'ai pas des crops. Bien sûr que non, j'ai pas de crops. Les œufs, c'est pas un souci. J'ai mes petites poupoules là. S'ils ont pondu. Ok, parfait, 3. Bien évidemment, j'ai oublié mes crops et j'ai oublié tout le reste. Ça fait déjà 23 minutes que je tourne. Oh là là. Je vous avouerai que je vois pas le temps passer. Ça peut-être faire un peu plus long, je ne sais pas, on verra. Ici. C'est moi où j'ai remis tout. Les sites que j'avais. Ok, c'est pas grave. Para 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 para. Oh, s'il shoot, c'est encore pire. Ah, et puis le jour, il va se lever. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Allez, allez, pousse. Pousse. M'en faut eu deux. M'en faut deux, allez. Parce qu'en fait, si le jour se lève, quand je vais la récolter. Hein? Attends. Oh, c'est. J'ai fait n'importe quoi. C'était pas cette fleur-là. C'est pas grave, une belladonna en plus, c'est pas. Mortel. Non. Là.
Et c'est une mandra ici. Ok, on va gagner du temps, on va faire ça. Hop. C'est vrai, il n'y a pas de coin d'eau. Creuse un trou. S'il n'y a pas d'eau, en fait, je peux pas planter. C'est un peu embêtant. Donc là, c'est un peu une petite vidéo découverte un peu de ce que j'ai refait hors caméra. Ah non, bah. Bah, il me semblait que. Bah, il me semblait, mais non, alors. Que. La journée. Ah non, c'est peut-être quand on les plante direct. Alors, on doit acheter ça, 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 dedans, et on en a 6. Et il m'en faut. Il m'en faut. Et il m'en faut. Ils sont où? Il est où? Il est là. Il m'en faut 32. Ouais, mais j'ai pas assez d'œufs. Ils ont peut-être pondu, on va voir. On doit acheter comme ça? Non. What? Comment on fait? Bah, c'est dans un autre chaudron. Et ben. Petit souci, on peut pas récip. Oh, mais c'est quoi qu'il faut mettre dedans si c'est pas de l'eau? Instruction. Ah, si, rempli de water, une light, une fire. Rituel. Rituel Power. Altar Power. Altar Power Cost 0. Il faut un altar. Mais non. Ça se fait comment? Ça, de l'eau et ça. Du pirche. Il faut du. Rowan, forcément. Mais non. Comme master, voilà. Du call. Du call. M'en faut 2. M'en faut peut-être 6. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien il m'en faut. Et de la stone break. Ok. Et de la birch. Ok. Du call, birch, stone break. On va garder ça là. Il fera un peu plus long l'épisode, hein, c'est pas grave. Si ça vous dérange, dites-le moi. Moi, ça me dérange point. Ça, ça. Ça, de la birche. Birche. 13, 16, 6, 20.
Ouais, c'est bon. Hungry, j'ai encore faim, toujours et encore. Cuis-moi la bière. Pour l'instant là, on va en faire. On va faire que 8. Parce que je crois qu'il m'en faut 8. Ouais, 2, 4, 6, 8. Des water bottles. Ok. Et ça, il m'en faut 2. 4. 4, et ça, il m'en faut 2. Là, il n'y a rien eu. L'altar, je vais la foutre là. Hein. Je sais pas où, mais je vais la foutre quelque part. Du sable, il me faut faire du cuir du sable. Parce que j'ai pas de verre, je crois pas. Quelque part dans les coffres. Si. Par contre, ça a fini de cuire donc. On va les reprendre. Ah, ça cuit pas? Ah, du col. Non? Vous voulez peut-être pas que j'enlève? Ça c'est fait. Bah je peux pas. Pourquoi je peux pas? Du coup 263, 263. What? Pourquoi il montre dans l'autre sens si je vais pas là? Oh. Pourquoi il montre ça comme ça? Utilisation. Comment l'avoir? Bah du coup là-dedans. Et là-dedans, ça ne marche point. Des crops. je suis perdu. Parce que c'est quoi cet arbre là en fait? Du Rowan. Mais j'ai pas de pousse de Rowan. Là je suis un peu perdu hein, je vous avoue. Si quelqu'un a des réponses dans les com... Mettez ça dans les commentaires. Hein. Ça m'arrangerait fortement. Du Rowan en arbre. Je cherche les arbres. Non, comment tu l'écris, Ro? Là. Comment tu l'écris? Oui, chérie. Merci de l'écrire dans le bon sens. Du Rowan. Oh, il me fait un arbre comme ça. Et comment je peux avoir ça? What the fuck? Ah, attendez, je vais peut-être une idée. On va prendre celui-là, celui-là. Ok. Alors, Zoran, oh. Impeccable, je suis tombé pile dessus en fait. Ah,
J'ai pas déjà du mutant 10 quelque part. Mutant 10. Si je fais ça. On fait une espèce de truc comme ça. Oh, impeccable. Oh la vache. Je croyais pas en vrai. Allez, pousse. Pousse. Allez. Ok, tu veux pas. Le mutant 10, toi tu vas rester là, ce qui m'intéresse. Mais. On t'a pas poussé encore. Ok, je vais chercher de la bonne mille. Hop, on va prendre ça, on s'en fiche. Juste pour faire en fait l'altar, après on se laissera là. Mais... Ok. Ok, les pouces tombés. Oh, impeccable. J'en ai 7. Ça, c'est cool. Alors, Witchery. Witchery. Les berges. Ok. Sont mes bois, ils sont là. Ok. Allez, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, un gros bordel dans mon sac, c'est pas grave. On va foutre 15 là. Ok, donc. Altar. Il me faut ça. Ok. Il ne manque plus que les 3 bouteilles en fait. Ok. On va y arriver, on va y arriver. Pas de soucis. Pas de panique. On y arrive. Un, deux. Ok. Alors, l'altar de Witchery, tu vas aller par là. Et on va te mettre derrière. Yes. Altar. Ok, je suis en x1. Et là, si je fais, c'est vraiment un test. Non, ça. Non, Mandragore, merci. Et ça. J'ai tout mis dedans. Bah, posé dessus, mais ça fait que dalle. Ça fait que dalle. Le téléphone qui me dit batterie faible. Ça fait que dalle. Péter un plomb avec ce mode pack. Non, je plaisante. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Chaudron, ouais. Ouais. Le temps 10. C'est quoi, tu les balances? Je sais pas, le chaudron il marche pas. Je sais pas, faut peut-être les crafter comme ça ou. Ouais. Alors, utilise Mutant This One simple plan tout mutante. Des
Est-ce qu'il y a une spéciale? Ouais. Que j'ai en fait. Ah ouais, mais je voudrais, Maurice. Il faut pas une baguette. Une baguette de witchery, comment on appelle ça? C'est le palais. Je suis sûr qu'il faut un truc, une baguette, un... Ça, c'est des flèches, Bolt. Mystic Branch. Ouais. non, personnellement, hein. Mettez-moi dans les commentaires comment marche Witchery. Au pire, j'ai un TS pour parler. Si vous y connaissez un peu mieux, il n'y a pas de souci, hein, j'ai un TS. Bien sûr, une personne qui parle français, vu que je pige rien à l'anglais, hein, bien évidemment. Puisque là, je suis un peu paumé. Mais vraiment paumé. Parce que je comprends pas pourquoi en fait, j'arrive pas à les mettre dedans. Sais pas, c'est l'eau, c'est... peut-être trop d'eau. Ah, ah, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une particule. Vous avouerez, j'ai vu une particule partir. Quand j'ai mis le seau d'eau en fait. Donc là il était comme ça. Et quand j'ai fait ça, une particule verte qui est partie. Ouais, bon, on va remplir. Je vais regarder comment ça marche. Parce que là, je pige rien du tout. Donc, je vais essayer ça, voir si en attendant que ça boue, si ça fait quelque chose ou pas. Donc là, j'ai un ornithaltar. Ok. Ok. Donc, ben, j'ai pas fait grand-chose à part faire le chaudron sur Witchery, mais faut bien commencer par quelque chose. Donc ça, je l'ai fait. Il me faut un calice et un candélabre. Et ça, il me faudra le fumée tunnel. Ok. Du stylet. Et tout ça. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. La prochaine fois, je vais essayer de me rattraper un peu sur les crafts, sur les quêtes. Pour quand même avancer un petit peu. Parce que là, on est un peu en mode posé. Parce qu'il nous faut Witchery pour faire Botania. Et pour faire Ville du Chouette. Et ainsi de suite. Donc, on est un petit peu coincé à cause de Witchery. Donc, essayez de comprendre Witchery. Et je reviendrai la prochaine fois avec les réponses. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine et salut à tous!